Karibu kwenye matangazo ya MTV tukikutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont planifié une opération spéciale ensemble avec la brigade d'intervention de la MONUSCO en cycle FIB pour récupérer le bastion des terroristes ADF MTM localisé au village Apetina. Village Apetina situé à plus ou moins 15 km de la cité de Oicha. Cette opération a connu deux étapes, sécuriser les agglomérations et là la MONUSCO a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. Et deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADF MTM et les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi aujourd'hui à récupérer ces bastions après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes d'ADF MTM. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser non seulement les terroristes ADF MTM, corps vu 17 au total, et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADF MTM qui aidaient ces djihadistes à commettre des exactions sur la route Luna-Komanda. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement le bastion des ADF qui était logé à Apetina, mais aussi la route nationale numéro 4 et continuent également les opérations de ratissage de ces milliers pour donner totalement la paix à notre population. Le trafic sur le tronçon Beni-Komanda évolue très bien grâce aux escortes mises en place par le secteur opérationnel Ituri. Tous les véhicules sont escortés et acheminés sans problème. Nous avons reçu ces opérations grâce à une bonne collaboration qui existe entre l'armée et sa population. Et nous demandons à la population de continuer à appuyer cette armée pour que la victoire soit à 100% dans notre zone opérationnelle.